100 km de là, un autre président de région va encore plus loin. Laurent Wauquiez n'entend pas seulement lutter contre la concurrence des entreprises étrangères, mais aussi contre celle des autres entreprises françaises. Dans cette cantine, lui veut favoriser Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, vous avez des fromages de chez nous, de la Fourme et de la Tôme. Dans la clause d'appel d'offres, on peut parfaitement prévoir qu'on veut un niveau de produits régionaux. C'est aussi une éducation au goût. Pour retrouver ces fromages locaux dans les assiettes, Laurent Wauquiez invente de nouvelles clauses dans ses appels d'offres. L'obligation d'avoir recours au circuit court et donc de faire travailler des producteurs de la région. Autre critère indispensable, former des apprentis localement. Bah oui, je ruse, mais j'assume de ruser parce que je pense qu'il faut qu'on soit plus malin et que si on applique bêtement les textes, bah on sort avec des entreprises qui sont des mercenaires, des produits qui sont plus de notre région. Et au fond, on défend même plus nos produits de terroir. Une préférence régionale qui ne saute pas aux yeux pour ceux qui fréquentent cette cantine. C'était local aussi, hein, ce qu'on mangeait avant. Hein. Même si c'était effectivement un prestataire national, il y avait effectivement quand même aussi des produits qui étaient locaux. Hein. Mais pour la région, l'objectif est atteint. En 2016, les entreprises régionales ont remporté 88% des appels d'offres, contre 75% auparavant.